dans les écologistes, justement, ce qui manque, c'est l'analyse du noyau central de cette société. C'est bien l'économie. L'économie a subjugué toutes les autres activités. Il n'y a plus qu'une religion dans le monde, c'est celle-là. Comment, avec un euro, je peux en faire trois? Donc tout, que ce soit des coupes à blanc dans les forêts, que ce soit des mines à ciel ouvert, que ce soit aussi les atrocités auxquelles on pense moins, mais comme le travail, la consommation, les loisirs, les violences policières, évidemment, les génocides, les viols, tout est fait pour remplir un de ces trois objectifs. Tout est une question de ressources, il s'agit de les contrôler, de les extraire et de les faire rentrer dans un circuit industriel. La résistance aujourd'hui, elle doit se concentrer évidemment sur l'arrêt de l'un de ces trois objectifs. Il me semble que ces cultures historiques dont tu parles, celles qui ont vanté les mérites de la masse et d'universalité, sont celles qui ont aussi véhiculé l'émancipation par le progrès, la technique et les corps embarqués. Bref, on est sur une œuvre civilisationnelle qui a ingéré sa contradiction pour mieux faire sienne et déterminer le monde métropolitain qu'elle a cherché à faire advenir. Il y a quelque chose qu'il faut avoir bien en tête, c'est que le système ne vous permettra pas de le modifier de l'intérieur. Ce n'est pas prévu, ce n'est pas au programme. Par contre, c'est ce qu'on va vous faire croire de façon à ce que vous continuiez de voter, d'écouter les discours politiques et que sagement vous continuiez à entretenir le système. Et c'est pour ça que je revendique la radicalité, parce que pour moi c'est pas un gros mot, mais c'est aller à la source du problème. Et donc vous comprendrez que quand des hommes blancs sont en crise de masculinité, ben en fait ils massacrent d'autres peuples. Pour qui apparemment ça va, il n'y a pas de souci. De l'illimitation généralisée, de l'infinie finitude, c'est-à-dire notre propre éternité, c'est ça qui se joue dans le capital, hein. C'est de vivre de manière éternelle. Sortir de ça, c'est juste se reposer la question de la limite. Sortir de ça, c'est juste reconsidérer notre rapport à la nécessité de la survie et de ses besoins. Auquel cas, rien que pour ça, sortir de la ville est d'une nécessité première, vitale.